Consterné par la disparition tragique du président namibien, le Parti congolais du travail, par le biais de son secrétaire général, est allé à la représentation diplomatique de la Namibie à Brazzaville pour signer dans le livre de condoléances ouvert pour la circonstance. Avec la disparition du président namibien Hage Geingob, le Parti congolais du travail s'est senti en deuil, et véritablement en deuil. C'est une nouvelle difficile, c'est une nouvelle éprouvante et je pourrais même dire sidérante. Alors donc, à l'occasion de ce deuil, à l'occasion de ce décès prématuré pour nous, le Parti congolais du travail nous a délégués pour venir exprimer notre compassion aux autorités namibiennes ici représentées à Brazzaville, à la famille biologique de l'illustre disparu et surtout au peuple namibien. Donc c'est pour perpétuer ce souvenir et qui demeure toujours vivace dans la solidarité entre la SWAPO et le Parti congolais du travail. Pour le secrétaire général du PCT Pierre Moussa, le décès du président Hage Geingob Gottfried est une perte pour son parti, la SWAPO. Le président namibien a consacré toute son énergie à la lutte pour la fin de l'apartheid, la libération et la construction de la Namibie. Il était un ami des peuples épris de paix et de liberté, une figure emblématique de l'Afrique.